Il est 9h, nous sortons de Reims, nous allons prendre la nationale en direction de Saint-Dizier. Pour l'instant, le trafic est fluide. Fluide, oui, mais pas pour très longtemps, car au bout de 20 km, les premiers gilets jaunes. Résultat, notre véhicule est à l'arrêt. Les automobilistes restent pourtant compréhensifs. Alors monsieur, bonjour. Comment est-ce qu'on vit la situation en tant qu'automobiliste ? Moi, ça ne me dérange pas beaucoup. Je suis manifestant en général depuis 40 ans. Alors, une manifestation, c'est normal. Vous comprenez leur mouvement ? Ben oui, je suis d'accord avec eux, n'importe comment. Pour les gilets jaunes, le mot d'ordre est filtrage et non blocage. Bonjour. Bonjour, ça se passe comment un petit peu avec les automobilistes en général ? Oh, ben ça se passe bien, hein. Ils sont sympas, il n'y a pas de soucis, hein. Ils sont tous d'accord avec nous, hein. Pas de problème. À chaque fois, l'ambiance se veut donc bon enfant. Pas de friction apparente. Nous sommes restés à peu près 45 minutes sur ce rond-point. Nous allons reprendre notre route en direction de Saint-Dizier pour voir s'il y a d'autres blocages. Déjà 3 barrages et plus d'une heure et demie de retard sur notre parcours. Paradoxe, les routes sont fluides comme rarement un samedi matin. Mais à hauteur de Vitry-le-François, un 4e barrage nous attend. Bonjour messieurs. C'est comment là le barrage, il est bloquant ou il est filtrant ? Il est filtrant ? Et en général les gens réagissent comment ? Ils réagissent plutôt bien ? Plutôt bien, ça ouais. Va. On a très peu de mécontentement. Encore un barrage sur notre chemin, le 5e. Celui-ci est particulièrement imposant. Forte mobilisation, on compte là une centaine de gilets jaunes. C'est le 5e barrage depuis Reims, nous sommes aux portes de Saint-Dizier, mais pour nous c'est impossible d'aller plus loin. On abdique, ça fait plus de 5 heures que nous sommes partis de Reims, mais nous nous retrouvons donc bloqués ici, aux portes de Saint-Dizier.